Le monde aujourd'hui souffre de cette décomposition, de cet éclatement des territoires et des pratiques et des activités qu'on peut faire, alors qu'une des notions importantes, c'est la recomposition des liens. Et le métissage est une opportunité pour faire en sorte que les gens arrivent à réorganiser en commun des scènes de vie. Et le métissage consiste à dire que ce n'est pas simplement dans l'hybridité que les choses se construisent, il faut forcément qu'il y ait une symbolisation, il faut qu'il y ait un échange, il faut que les gens arrivent à décliner en commun un contenu qui va faire en sorte que ces éléments éclatés vont se retrouver dans une même ligne et qui vont fabriquer une nouvelle symbolisation, ce que certains appellent une trajection, par laquelle il y a un milieu qui va se construire. Et il n'y a pas élaboration de mondes sociaux s'il n'y a pas un métissage par lequel les gens vont ensemble co-construire les pratiques, les liens et les compositions symboliques qui vont servir de cadrage pour s'entendre sur un imaginaire partagé qui vont agrémenter le contenu des scènes vécues. Et le métissage, qui est une notion qui existe très fortement en anthropologie, et l'anthropologue Laplantine l'a développée récemment, eh bien c'est celle qui permet de redonner justement une capacité aux gens à pouvoir discuter en commun de la manière dont ils peuvent s'engager dans des scènes collectives. Et ici, à Saint-Camille, je crois que la notion de métissage est une notion que vous appliquez sans avoir forcément la définition ou la terminologie de celle-ci, mais vous essayez de faire en sorte que les anciens, par exemple, avec les jeunes, puissent se connecter en commun. Et qu'est-ce que c'est cela, sinon un métissage? En créant le symbole, c'est redonner du lien entre deux éléments séparés, et ça sert à recréer un monde commun partagé. Et le métissage, c'est justement cela. Et quand vous travaillez sur ces thématiques-là, entre les anciens et les nouveaux, ben vous développez un métissage où les gens sont dans la scène et vont construire en commun une orientation partagée sur des éléments qu'ils ont envie de mettre au cœur de la scène. Voilà.